Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Cameo Elements of Power. Donc la dernière fois, nous avons fait le chemin et l'énigme qu'il fallait pour ouvrir cette zone, donc qui est le marais de l'ogre. Donc là où se cache le dernier troll des ombres qui a le dernier lutin, le dernier lutin élémentaire. Donc on va aller s'occuper du truc. Ah bah yes, ça commence bien. Hop, du coup. Là, je vois qu'on va sûrement avoir besoin de gravats, donc on va mettre gravats. Non, on va peut-être prendre plutôt... Nickel. Comment on l'ouvre ça? Je comprends pas. Comment on fait pour le tuer, lui? J'ai pas l'impression qu'on peut le tuer. Ah ah! Donc attendez, je vais prendre cendre. Voilà, comme ça on les fait. Hop. Je sais pas ce que ça fait, ça. Ça a ouvert un truc là-haut. Je sais pas ce que c'est censé faire. Bonne question, tiens. Il s'est refermé? Non, il est toujours ouvert. Comment je fais pour le faire tomber, en fait? Il peut pas me dire un truc, lui? Détache une fleur corne et lance là en courant. Le bruit va attirer l'ogre. S'il percute un arbre contenant un fruit bouchon mûr, celui-ci tombera. Tu pourras alors le transporter jusqu'à une cheminée à vapeur pour la boucher, ce qui ouvrira la porte du puits de l'ombre. Ok! Je viens de comprendre. Ok. Donc, il y en a une pas loin, là. C'est pas possible. Ouais, il y en a une, là. Hop, ça dégage. Yes! Donc là, j'en ai eu un de tombé au moins. Putain, dégagez les moustiques! On va le mettre ailleurs parce que là, il me suit, la log. Non, c'est bon, apparemment, il est mal échu. C'est chaud en fait à viser. En fait, c'est une blague. Voilà. Ok, on a commencé. On a fait une partie. C'est déjà ça. Le fruit, il est là. Nickel. Ça l'a pas affecté. Non, merde.
n'a pas l'air d'avoir réagi. Ah ok, c'est tellement aléatoire en fait, l'ouverture des trucs. En fait, quand il est trop loin, il l'entend pas, j'ai l'impression. Allez, oui, oui, fonce, fonce. Yes! On m'en a fait tomber un. Bon, attendez. Les nids de moustiques, là, ça commence vraiment à m'agacer. Dégagez les moustiques. Ok. Alors, le bouchon que j'ai fait descendre, il est là. Ok. Où est-ce qu'il y a des cheminées? Il y en a une là-bas. C'est compliqué quand même. Hein. Et de deux. Il nous manque le troisième et on est bon. Il l'a pas entendu, il est trop loin. Ça, il me fout la paix, les moustiques. Vas-y, fonce. Quoi, c'est... Oh non, c'était pas le bon. Putain, dégagez les moustiques. Je refuse de me faire tuer par des moustiques. Voilà, viens ici, viens ici. C'est ça, viens, 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 viens. Quoi, il s'est pas cogné? Il s'est pas cogné au bon truc, le con? Et merde. Il y en a, Coco. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais non, c'est une blague. Il est trop loin, là. Putain. Il se barre à 3 km, là. Allez! Il y a la... Va, fonce, fonce, fonce! C'est bon! On a le troisième. On va attendre qu'il se barre de la zone pour récupérer le fruit bouchon. Ok, et le troisième, il est... Ouh, il est où, le troisième truc? Il est où, le troisième truc? On a bouché lui, on a bouché lui. Le troisième ne doit bien, pas bien être loin. Ah, elle est là-bas. C'est bon, je le vois. Il y a quelqu'un. Mais non, lance pas, faut le lâcher. Ah, ça y est, on a réussi. C'était plus compliqué que ce que je pensais, putain. Allez, hop, on va faire le dernier, du coup. On va aller libérer le dernier guerrier élémentaire qu'on a besoin. Il a le dernier, du coup.
Qu'est-ce qu'il fait? Oh merde, c'est quoi ça? Aïe. Allez, dépêchez-vous les gars, j'ai besoin de vous. Putain, j'ai pas pu le récupérer. Dégage de là, toi. Putain, je peux pas le récupérer parce qu'il est trop dans le bordel. Oh, c'est chiant. Faut que j'attende qu'il se rapproche un peu plus vers moi au lieu de les tuer directement dès qu'il pop. Nickel. Et de une. Il y en a un peu plus qui arrive. Doucement. Ah bah lui en fait il bouge pas quasiment donc il est assez simple à viser. J'ai l'impression que lui par contre faut le toucher 4 fois. Plus qu'une fois je pense et on est bon. Hop. Et voilà, nous avons réussi à déjouer le dernier troll de l'ombre et récupérer notre guerrier élémentaire. Si je me trompe pas, qui s'appelle Fermite. Si je me trompe pas. Non, Termite, pardon. Je crois que c'était Fermite, mais non, je confonds avec Pokémon, en fait. C'est Termite qui s'appelle, ok. Et voilà, nous avons donc Termite maintenant. Cameo, tu m'entends? Cameo! Porto, tu entends quelqu'un appeler mon nom? Non, attends. Je parie que c'est cette vieille harpie et les ancêtres qui essaient de te contacter par télépathie. Concentre-toi. Cameo, tu m'entends? Parfaitement, Mystique. Excellent! Maintenant, écoute-moi bien. Rapporte-moi le carnet de voyage. Je veux dire, nous voulons être sûrs que tu es prête à affronter Thorn. Je suis prête à présent. Non! En fonçant en TLPC pour l'affronter sans préparation, tu fais son jeu! Si Thorn veut la guerre, il l'aura. Tu commences à parler comme ton père. Et j'aime ça. Insolente fillette! Tu n'as aucune idée de ce que tu vas devoir affronter! Silence! Vos chamailleries nous font perdre un temps précieux! Sage comme toujours! Mais ne pensez-vous pas, chers ancêtres, qu'il serait sage pour elle de revenir au royaume enchanté avant de se mesurer au redoutable roi des trolls? Peut-être. Mais si Cameo dit qu'elle se sent capable de maîtriser les guerriers élémentaires, je lui fais confiance. Mais elle est seulement... Ça suffit. C'est décidé. Cameo part affronter Thorn. Tu as notre bénédiction. Vous commettez une grave erreur. Nous ferons notre possible pour rallier les troupes et venir à ton aide. Jusque-là, montre-toi digne de Solon. En l'honneur de mon père.
vous. Vous que vous êtes. Elle semble quand même un peu suspecte, Mystique, là. Bon, du coup, on a récupéré... Hop. Termite. Termite. Voilà à quoi il ressemble, en fait. Une petite fourmi qui transporte un espèce de gros bordel. Un gros canon. Ah, un fruit élémentaire. On va regarder vite fait, je dois en avoir un petit peu. On va peut-être les utiliser. Ouais, on en a 5. On va les utiliser. Pour en savoir plus, je crois que c'est pétard, non. C'est quoi? C'est explosion de feu ou bombe de fragments, tombe mortelle. Je sais plus ce que j'ai utilisé. On va utiliser ça. Hop. Ok. On va voir pour améliorer un autre. Moins 40. Moins 40, j'ai déjà amélioré un peu. Piège, voilà. Mâchoire tueuse. Mâchoire tueuse, c'est pas mal ça, il me semble. Donc voilà, comme ça, on a amélioré un petit peu nos personnages, enfin nos guerriers élémentaires du moins. Et on va pouvoir aller affronter Thorn. Piège, piège. Ça me fait trop rire, piège, comment il a une dégaine. Ça. Ah. Bah d'accord. Voilà pourquoi il voulait qu'on ait termite aussi. Conseil, utilise le carnet de voyage pour me parler. Allez, let's go, on s'en va de cette zone. Maintenant qu'on a récupéré ce qu'on avait besoin. On va voir que du coup là on va devoir aller au château de Thorn. Enfin, d'affronter celui-ci. Même si je pense que ça va pas être une mince affaire. On est parti, du coup. Hop. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va se passer un truc quand on va arriver dans les Badlands. Ça m'étonnerait même pas. On est tellement l'habitude qu'à chaque fois qu'on revient dans les Badlands, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que je disais? Les tanks. Le château de Thorn est envahi, quoi, limite. Ok, let's go. On va aller détruire les tanks. Et on commencera le château de Thorn au prochain épisode. Afin de laisser un petit peu de suspense. Ça serait pas drôle sinon. Tac, 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 tac. Il n'y avait plus le cheval, donc ça va pas... Je vais pas non plus très vite, c'est ça le souci. Je sais pas si je peux aller plus... Si je vais plus vite avec lui. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on va beaucoup plus vite en volant quand même. Ok, on arrive là où il y a des tanks. On va pouvoir s'en occuper. Ah merde. Je pense qu'avec Termite maintenant on peut les tuer comme ça les tanks. Putain, qu'est-ce qu'il me veut lui? Ah merde, j'ai plus de...
Allez, j'ai quasiment plus de vie. Nickel. Voilà que je... Voilà pourquoi ma mâchoire tueuse est bien. Je récupère un peu de vie parce que là... Donc on va tuer des trolls. En espérant qu'ils veulent m'en donner. Nickel. Allez, meurs. Ouais, c'est bien, il me donne un peu de vie. C'est mieux pour récupérer quand même. Hop, ok, il y a un autre tank là-bas, on va aller s'en occuper. Merde, on a tué un allié par contre, c'était pas prévu. Ouais, bon, des runes, c'est pas vraiment ce que j'ai besoin à l'heure actuelle, hein, vous m'excuserez, mais... J'ai surtout besoin de... De vie. Ah ouais, j'avais pas vu en fait, je suis full life, ok. Let's go, il y a un tank là, on va aller s'en occuper. On ira s'occuper de la partie proche de l'entrée du coup du château de Thorn à la fin, enfin au prochain épisode. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager, ça me ferait super plaisir. Pour les intéressés, vous avez tous les liens utiles en description, donc n'hésitez pas à checker. Et pour ceux qui aiment de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde.